Je crois que la, l'élément essentiel de la condition humaine est le sens du sacré. Plus j'avance dans la vie, plus j'ai l'impression que les voyages ont lieu concomitamment dans le temps et dans l'espace. Un paysage, une rue, un événement ont certes leur fraîcheur et leur charme, mais ils déclenchent en même temps d'innombrables souvenirs. Souvenir d'un regard, d'une conversation ancienne, d'une mélodie depuis longtemps oubliée. D'une certaine manière, quand je parcours des espaces géographiques familiers ou inconnus, je voyage en même temps dans le passé. Dans ma propre histoire. Il m'arrive parfois de me sentir étranger à moi-même. Et je me sens alors pleinement heureux. Un soir, sur les bords de la Seine, entre le Châtelet et le Louvre, je revivais des moments isolés de mon passé. Je revivais des moments isolés de mon passé, comme cet automne si long, et dans mon souvenir, incomparablement beau. Il me semblait commencer une vie nouvelle. Même Paris me paraissait neuf, alors que je le découvrais au cours de mes longues promenades avec Christinelle. Je retrouvais auprès d'elle une dimension spirituelle qu'avait assombri l'exil et l'histoire des dernières années. Mircea Eliade est né en Roumanie, à Bucarest, le 9 mars 1907. Tout jeune lycéen, il publie déjà de nombreux articles scientifiques et littéraires. Après une licence de philosophie, il part, à 21 ans, pour les Indes. Durant 3 ans, Eliade étudie le sanskrit à Calcutta, avec le professeur Dasgupta. Et dans un ashram himalayen, pratique le yoga avec Shivanamanda.
De retour en Roumanie, il soutient son doctorat de philosophie et devient, en 1933, l'assistant universitaire du grand philosophe Nae Ionescu. Les cours d'Eliade portent aussi bien sur la métaphysique d'Aristote que la philosophie indienne ou celle de Nicolas de Cusa. En 1940, Mircea Eliade quitte Bucarest pour Londres, puis Lisbonne et enfin Paris. Invité par Georges Dumézil, il va donner, dès 1945, des cours à l'École des hautes études. Il publiera ensuite le traité d'histoire des religions, technique du yoga, le mythe de l'éternel retour. Eliade prend part aux rencontres d'Ascona autour de Jung et, accompagné de son épouse Christinelle, participe à de nombreux congrès qui le feront voyager de Tokyo à Uppsala et de Sydney à Mexico. Invité à l'université de Chicago en 1957, il y devient directeur du département d'histoire des religions. Docteur honoris causa d'une dizaine d'universités, membre de 5 académies, Mircea Eliade va accomplir son œuvre par la direction de l'Encyclopédie de religions, somme monumentale en 16 volumes, rédigée par 1500 chercheurs et universitaires. Mondialement reconnu, auteur d'une quarantaine d'ouvrages traduits en 16 langues et d'une vingtaine de recueils de nouvelles ou de romans, Eliade renouvelle presque toutes les sciences de cette fin de siècle, de l'histoire des religions à l'anthropologie, comme de l'épistémologie à la philosophie de la culture. La grande découverte a été, et ça c'est l'œuvre du XXe siècle, la découverte de la cohérence, de la noblesse, de la logique interne et de la structure métaphysique des cultures archaïques, des cultures soi-disant primitives. Il y a encore 50 ans, des grands savants anthropologues comme Frazer, par exemple, considéraient les sociétés traditionnelles primitives comme des sociétés vraiment, sinon arriérées, infantiles. Tout ce qu'elles faisaient s'expliquait par la magie, par des superstitions. Et à la suite des travaux plus profonds et plus systématiques... La fascination du voyage tient au nombre de temps personnels que l'on réactualise. Quand je pénètre dans une cathédrale, je ne sais jamais si j'y retrouverai le souvenir d'autres sanctuaires vus jadis. Si je me surprendrai en train d'écouter une mélodie ancienne, une conversation depuis longtemps oubliée. Comme les monuments, les livres sont pour moi du temps concentré. Je me rappelle ces matins de 1925, quand j'avais découvert I Misteri de Raffaele Petazzoni. Dès que je me lançais dans l'histoire des religions avec la passion et l'assurance d'un garçon de 18 ans. L'historien des religions doit, en son domaine, chercher ce qui résulte de la rencontre de l'homme et du sacré, c'est-à-dire l'homo religiosus, l'homme religieux, comme affirmation de l'homme accompli. Pour moi, la discipline, l'histoire des religions, révèle ou nous révèle vraiment l'homme total, dans ce sens que on découvre une dimension spirituelle, même chez les peuples les plus archaïques, qui se continue à travers toute l'histoire des religions. D'abord donc une sorte de réalisation presque expérimentale de l'unité du genre humain, non en tant qu'espèce biologique, espèce zoologique, mais en tant qu'être humain, esprit. C'est le même esprit
qui travaille et qui crée en Australie, aussi bien que chez les derniers mystiques et théologiens de l'Occident. La culture occidentale souffrait d'un certain provincialisme. Tout commençait avec l'histoire de l'Ancien Orient, et puis venait la Grèce, Rome, et puis l'histoire de l'Occident, l'histoire culturelle, spirituelle, mais aussi l'histoire de l'Occident. Je crois que la découverte des sociétés archaïques, les soi-disant primitives, a joué un rôle considérable dans l'ouverture de l'esprit pour nous, intellectuels de l'Occident. L'expérience de cette découverte a des conséquences existentielles pour celui qui découvre cette unité, cette noblesse, cette valeur. On peut comparer l'étude, l'herméneutique des faits religieux à une sorte de métapsychanalyse, dans ce sens que... Dans ce sens que la méthode herméneutique, c'est-à-dire la recherche des significations que tel phénomène religieux a eu à travers le temps, et qui n'était pas évidente, cette méthode transforme le chercheur. Après avoir compris, à travers l'effort herméneutique, un système de pensée qui d'abord, même pour l'historien des religions, est opaque, après avoir compris quelque chose de changé, quelque chose de plus profond, se révèle dans la psyché, dans l'esprit du chercheur. On se transforme, on s'anoblit, au fur et à mesure de cette découverte. C'est pour ça que je considère la discipline d'histoire de religion une discipline majeure et très importante pour découvrir les autres. Je me disais en fait que l'homme, et même l'homme européen, n'est pas seulement celui de Kant, Hegel ou de Nietzsche. Je sentais surtout qu'on ne peut comprendre la destinée humaine et le mode d'être spécifique de l'homme dans l'univers sans étudier tous les aspects de l'expérience religieuse. Eh bien, je crois que je suis devenu historien de religion, surtout à la suite de mon expérience indienne. J'ai compris l'énorme importance du symbolisme, non seulement dans la vie religieuse, cultuelle des hindous, mais dans leur vie totale, surtout au niveau rural, dans les villages. Et d'autre part, j'ai été fasciné par la richesse, non seulement littéraire, disons, fantastique, du folklore ou de la vie de la littérature ou des croyances populaires, mais j'étais fasciné par la richesse et la profondeur de la pensée mythique. Non dans le grand mythe ou la grande mythologie indienne, mais dans les diverses mythologies locales, populaires, qui étaient l'expression des sociétés archaïques qui avaient précédé les Aryens, les Indo-Européens dans l'Inde. J'ai appris au laboratoire religieux de l'Inde, aborigène aussi bien que de l'Inde indo-européenne, j'ai appris comment il faut interpréter et comprendre les phénomènes religieux non-européens, c'est-à-dire non-chrétiens. Je
Mais en rentrant, après l'expérience de 3 ans, en rentrant des Indes, j'ai compris l'importance d'avoir non seulement d'être quelqu'un né et éduqué dans la zone carpato-danubienne, c'est-à-dire en Roumanie, mais aussi j'ai compris l'importance de notre tradition populaire, notre, je dis, du sud-est européen, pas des cultures rurales et de folklore traditionnel qui étaient encore, chez nous encore, assez vivants, et qui étaient pas morts, mais un peu en sommeil dans l'Europe occidentale. J'ai découvert que chez nous, autour des Carpates, les racines sont bien plus profondes que nous l'avions cru, plus profondes que le monde grec ou romain, ou même méditerranéen. Un certain nombre d'éléments paléo-indo-européens s'y sont mieux conservés que partout ailleurs en Europe, affirmant une fois de plus la pérennité du sacré. Le sacré, l'élément essentiel de la condition humaine. Je crois que l'homme s'est constitué en tant que tel, plus exactement son mode d'être dans le monde et d'être religieux, c'est-à-dire avoir l'expérience du sacré. L'ouverture vers le sacré rend l'homo religiosus capable de se connaître tout en comprenant le monde. Cette double connaissance fait de lui un homme total, parce que l'homme religieux est assoiffé d'être. Cet homme total qui se révèle à la suite des analyses, les études, les herméneutiques, des historiens des religions, présente non seulement le homo sapiens, le homo faber, et l'homme esthétique, et l'homme qui danse, et l'homme qui fait l'amour, et l'homme qui travaille, mais aussi le homo religiosus, donc l'homme qui a une expérience, une imagination et une conception de structure religieuse. C'est à travers le homo religiosus que l'homme, l'existence humaine, révèle ses dimensions spirituelles les plus profondes et les plus créatrices. On a vu que cet homme total, qu'on le trouve en Australie aussi bien qu'en Méditerranée classique, est un homo religiosus, c'est-à-dire que pour lui, le sacré est à la base de son existence dans le monde. Et on a compris
que le sacré est un élément de la structure de la conscience, et non pas un stade seulement, un stade de l'histoire de cette conscience. On a compris que vivre en tant qu'être humain est en soi un acte religieux, car l'alimentation, le travail, la sexualité, le jeu, tous ont une valeur sacramentaire. Autrement dit, être, ou plutôt devenir homme, un homme, signifie être religieux. Donc, le sacré, pour l'homme religieux, est la réalité absolue, la présence donc des êtres surnaturels, et le modèle de tout ce qu'il fait avec sens dans sa vie. Travail, mariage, institutions sociales, et ainsi de suite. Le travail, c'est un rituel, parce que le travail imite un modèle qui a été révélé aux ancêtres par des êtres surnaturels. La sacralité absolue parce qu'il répète l'activité créatrice des dieux et dévoile la sacralité de leur œuvre. Les rites et les symboles réalisent la solidarité permanente de l'homme avec cette sacralité. Un symbole révèle toujours l'unité fondamentale de plusieurs zones du réel en apparence irréductible. Le symbolisme constitue un problème très important, non seulement pour la compréhension de certaines religions archaïques ou orientales. Moi, j'ai appris ça dans l'Inde, mais je me suis rendu compte immédiatement après que le symbolisme, la pensée symbolique, est constitutive pour l'être humain en général. La pensée symbolique ne peut pas être remplacée par un autre type de pensée. C'est à travers le symbole que l'homme, n'importe quel homme, même l'homme contemporain, bien qu'il ne se rende pas compte, à travers le symbole que l'homme est ouvert vers le cosmos, vers le monde et vers sa propre vie, la compréhension d'un symbole, c'est comme une fenêtre vers un univers de signification qui autrement reste obscur, énigmatique, même tout à fait ignoré.
Ainsi se réalise la réintégration dans un cosmos organisé. Organisé parce qu'il imite le modèle exemplaire de la création du monde. Toute ville est orientée et a comme modèle une Jérusalem céleste. L'homme ne peut pas vivre dans le chaos. La maison, l'habitation est orientée. Elle se trouve en quelque sorte au centre du monde. Chaque village se trouve au centre du monde, mais aussi bien chaque maison du village se trouve au centre du monde. Parce que la maison, ou la tente, la hutte, aussi bien que le village, et plus tard le temple et la ville, sont créés d'après un modèle exemplaire et d'origine, disons, divine, transhumaine. L'organisation d'un espace autour d'un centre équivalait à la fondation d'un monde autour d'un axis mundi, qui mettait ainsi en communication le ciel, la terre et les régions inférieures. Vous voyez que tout ceci présuppose déjà l'idée que le monde a été créé, donc le mythe cosmogonique explique, ou plutôt raconte, comment le monde est venu à l'être, que l'homme a été créé. Il y a le mythe de l'origine de l'homme, et puis l'histoire sainte, l'histoire mythologique de l'homme. Comment a-t-il perdu l'immortalité? Pourquoi est-il devenu un être mortel? Tout rite, tout système rituel est le moyen par excellence utilisé depuis toujours par l'homo religiosus pour sanctifier sa propre vie, pour lui donner un sens, pour répondre à sa profonde nostalgie du monde divin. Je crois qu'il faut tenir compte de ce fait que, au début, pendant des centaines de milliers d'années, l'homme religieux, vivait dans un monde qu'il considérait sacré parce que c'était création de Dieu, une vie qui avait une signification religieuse parce que cette vie avait un modèle, le modèle ou les modèles révélés par les êtres surnaturels. Tout ce qu'il faisait avec signification constituait en même temps un rituel. Le travail, la chasse, la pêche, le mariage, mais aussi tout ce qu'on appelle maintenant les activités artistiques de l'homme. Tous les arts, au début, ont été religieux. La danse est évidente.
tout le monde le sait, la danse, les premières danses ont été des danses rituelles. On sait aussi que la peinture, la sculpture, au début, pour les sociétés proto-historiques, préhistoriques déjà, étaient des œuvres religieuses. La narration était une narration avec une certaine valeur religieuse. L'exemple le plus célèbre, le chaman racontait, après son voyage extatique au ciel ou sa descente aux enfers, toujours une expérience extatique, il racontait les aventures, les épreuves qu'il a subies pour pénétrer aux enfers. Bien entendu, peu à peu, ces activités qui sont artistiques se sont détachées de l'activité purement religieuse, c'est-à-dire du rituel. Il y avait des danses rituelles, mais il y a aussi des danses qui sont détachées et qui pourraient être dansées, pas uniquement à l'occasion d'une certaine cérémonie religieuse. La même chose avec la peinture et la sculpture. Il y avait toujours une peinture sacrée, toujours une sculpture sacrée, mais l'art plastique s'est détaché. C'était indépendant de l'activité rituelle, religieuse. Ainsi, dans les arts, comme toutes les autres activités de l'homme, le sens de la religiosité cosmique s'obscurcissait. Progressivement, les dieux ne seraient plus accessibles à travers les fêtes cosmiques. L'affaiblissement de ce temps cyclique impliquait un danger, celui de le transformer en un temps historique, linéaire, c'est-à-dire irréversible. Peu à peu, surtout après la grande révolution achevée par le monothéisme juif, surtout par les prophètes, qui ont désacralisé le cosmos. Dans ce sens que les prophètes, vous vous rappelez, se sont rebellés contre les cultes orgiastiques. Et ils ont fait l'effort que le christianisme a poursuivi d'évacuer le sacré du cosmos, ou plus exactement, d'évacuer les dieux. D'évacuer l'univers, le cosmos, la nature, les dieux. C'est pour ça, d'ailleurs, que la science a commencé et a progressé en Occident. Parce que la nature étant désacralisée par le christianisme, le judaïsme, le christianisme, a pu être pour la première fois dans l'histoire, être analysée d'une façon tout à fait détachée, objective, en tant que matière. La matière était pour la première fois matière morte, inerte.
on a fait cette coupure qui a commencé, comme vous le savez, après Newton, mais ce n'est pas la faute de Newton, parce que Newton était un très grand alchimiste, et tout ce groupe de savants qui ont fondé la science moderne croyaient dans la possibilité d'unir le christianisme, le judéo-christianisme, la philosophie grecque, c'est-à-dire Platon, l'alchimie et la nouvelle science, c'est-à-dire la mécanique découverte par Newton. Et tout a tombé, tout a été changé par l'énorme progrès industriel de la technologie. Je crois que ce n'est pas une explication totale, parce que je ne crois pas que c'est seulement ça. Mais c'est le fait que, commençant avec la désynchronisation du cosmos, on a fini par croire dans la possibilité de répéter les créations cosmiques. Les dernières étapes de la désynchronisation, non seulement du cosmos, et du monde, et de la vie, et de l'homme, et de l'histoire, n'a pas été compensée religieusement. On a proposé d'autres théories, d'autres idéologies, d'autres espoirs, d'autres idéologies surtout. Et c'est à partir de ce moment qu'on peut surprendre la structure, les structures de l'homme moderne. Donc, l'existence humaine sans signification, l'homme qui vit dans une nature sans modèle, sans créateur, sans objectif. Et on est arrivé donc à ce type de nihilisme, si vous voulez, que Nietzsche avait déjà annoncé quand il parlait de la mort de Dieu. Et nous assistons maintenant à la crise de l'homme moderne. Se trouve dans un monde qui n'a pas de créateur, qui n'a pas de commencement, qui n'aura pas de fin. Moderne, ou ceux qui ont refusé l'expérience religieuse en tant que possibilité de connaissance, ils ont refusé aussi les structures mentales, les structures spirituelles d'une religion. Non seulement ils ont refusé le christianisme, mais refusé la possibilité d'une expérience et d'une pensée même mythologique ou religieuse. Et nous arrivons au dernier degré de la désacralisation, le camouflage du sacré, ou son identification avec le profane à travers la théologie de la mort de Dieu. Théologie de la mort de Dieu. On peut le discuter, je ne vais pas le discuter. La chose qui me semble importante du point de vue d'un historien de religion, c'est qu'on a essayé, par désespoir, mais aussi par un certain optimisme, profondément appuyé dans l'être humain, de répondre à un monde désacralisé et religieusement dévalorisé, de répondre en acceptant que la religion
monothéiste, donc la seule qui comptait aux yeux des Occidentaux, n'est plus ce qu'elle était au temps du judaïsme classique, christianisme classique, parce que Dieu est mort. Et néanmoins, on peut rester chrétien et homme religieux. Bien, c'est curieux que ce dernier acte de création, cette dernière création de la pensée théologique occidentale, qui est la théologie de la mort de Dieu, d'une part, semble dériver des désastres provoqués par le réductionnisme et surtout par les maîtres du réductionnisme, qui commence avec Karl Marx, qui réduit toute la culture et toutes les activités créatrices spirituelles de l'homme à certaines lois économiques. Il y a ensuite le grand Nietzsche, lui aussi, dans sa rébellion contre le monde, son monde contemporain. Il a proposé, tout le monde le sait, un monde qui était en fin de compte réductionniste, mais et surtout Freud, qui avait ses grandes découvertes, ses importantes découvertes du rôle de l'inconscient, a essayé d'expliquer les créations religieuses comme toutes les autres créations spirituelles et culturelles de l'humanité par des processus purement biologiques, précisément sexuels. Penser en historiciste, en freudien ou en marxiste, ça signifie renoncer à la vocation primordiale de l'homme, par conséquent, disparaître en tant qu'homme. Il se pourrait que le marxisme et l'interprétation matérialiste de l'histoire fussent la dernière épreuve de l'homme, une épreuve désormais planétaire, qui risque de le perdre, tout comme il a failli se perdre tant de fois dans la préhistoire. En dedans de millions d'années, l'homme a été chasseur. Il avait des mythes, des rites, des comportements religieux en relation, lui, et l'animal. L'homme, l'animal chassé, sa proie. À un certain moment, il y a 15 000 ans, 18 000 ans, la grande révolution de la découverte de l'agriculture et a créé, du point de vue religieux, une crise. La même chose se passe maintenant avec la grande ou les grandes découvertes, la civilisation technologique moderne. Elle ne pouvait pas ne pas occuper peu à peu toute la planète. Seulement, il y a une différence entre cette planétarisation de l'agriculture et la planétarisation de la technologie moderne. Parce que la première était une technique humaine, mais elle était aussi une religion avec une mythologie, avec un rituel spécifique. Ce n'était pas la technique agricole seulement qui se diffusait, mais c'était la religion et la mythologie agricole, agraire, qui se diffusait à travers le monde. Dans notre cas, les découvertes et les progrès ont été adoptés partout, mais sans aucune tradition religieuse, justement, parce que la technologie moderne n'a pas une base religieuse ou une justification religieuse. Moi, je n'accuse personne, mais je crois que les théologiens chrétiens n'ont pas été à l'auteur de leur mission, n'est-ce pas, depuis deux siècles. C'est-à-dire, ils n'ont pas essayé de donner le sens qu'ils avaient aux sciences, même aux sciences les plus... disons matérialiste, n'est-ce pas, la
la technologie. Tout acte technologique, acte scientifique, était avant un acte aussi, sinon religieux, au moins poursuivant un symbolisme d'origine chrétienne. À mesure que l'homme moderne, malgré la mort de Dieu, redécouvre la valeur sacramentaire de l'être, il retrouve un mode d'exister qui le protège contre le nihilisme historiciste sans l'expulser de l'histoire. Ainsi, une nouvelle perspective s'offre à lui grâce à la redécouverte de l'homo religiosus, parce que le sacré est saturé d'être. D'ailleurs, une société a-religieuse n'existe pas encore, ne peut pas exister. Si elle se réalisait, elle périrait au bout de quelques générations de neurasthénie ou par un suicide collectif. Si Dieu n'existe pas, tout est cendre. Si je dois essayer de reconstruire avec l'imagination les conséquences de cette grande révolution, la redécouverte de l'homme religieux, je suis en même temps obligé d'ignorer les contextes politiques et les possibilités politiques. Pour me donner la liberté de parler des choses purement spirituelles et culturelles dans un monde qui avance sans penser aux dangers que tout le monde connaît. D'abord, je crois que la première conséquence, c'est qu'on ne peut plus, à partir de ce moment, on ne peut plus considérer la religion, les religions et les hommes religieux comme des étapes dépassées de l'évolution de l'esprit humain. Nous avons assez de faits, nous avons assez d'herméneutiques, pas définitives, mais convaincantes pour voir qu'il s'agit, comme je disais, d'une structure de la conscience humaine. Je crois que la première conséquence sera un intérêt pour les aspects moins évidents du génie humain. On ne sera pas impressionné uniquement, par exemple, des créations de l'art occidental ou de l'art oriental, ou de certains systèmes de philosophie ou de certains systèmes de morale. On est de plus en plus intéressé à découvrir l'invraisemblable, le sacré, si vous voulez. Le très précieux, tout près de chez nous, tout près de nous, une fois assimilé la capacité de déchiffrer les valeurs religieuses, mythologiques, morales qui sont camouflées ou occultées dans des objets courants ou dans des événements tout à fait quotidiens. Une fois convaincus qu'ils sont là, qu'on les découvre, la vie devient infiniment plus riche, plus passionnante. Elle mérite vraiment d'être vécue parce que le monde qui s'ouvre, ce monde inconnu ou camouflé, plein de messages, plein d'espoir, et tout près de nous,
qui n'est plus opaque. On ne se sent plus admiré, on ne se sent plus dans une cité qui a des murs très forts, on ne se sent plus dans une cellule. Mais tout est parole, tout est symbole, et tout est ouverture vers quelque chose qui est certainement positif parce que c'est transhumain. Ils sont transhumains parce qu'ils dépassent les conditions de pensée ou l'existence humaine. Cette apporte, cette aide, encouragera, j'en suis sûr, comme réaction surtout contre l'nihilisme d'une certaine jeune génération, encouragera, pas de l'optimisme de type naïf, bourgeois ou romantique, mais de la foi dans un monde qui commence à être à peine connu dans ses valeurs ultimes, que le voyage dans la Lune, c'est une chose très intéressante, mais et on est heureux qu'on est arrivé là. Mais comprendre la signification des mythes, des symboles, des événements religieux et surtout les révélations qui sont données par les objets, par des êtres, ouvre des perspectives et donne la possibilité de connaître des niveaux d'existence, des niveaux de réalité qui étaient avant scellés, qui étaient occultés, scellés, inaccessibles. Je dis que c'est un optimisme parce que le monde ne sera plus le monde opaque, sans signification tragique, purement tragique, même la tragédie n'a plus de sens dans ce monde terrible, le monde de certains philosophes et écrivains. Ça sera une des conséquences qui sera importante aussi, et peut-être surtout pour l'existence humaine personnelle de chaque homme. Mais je crois qu'une telle perspective, une telle ouverture, sera aussi une source qui n'était pas soupçonnée jusqu'à présent, une source de créativité, je dis créativité culturelle, c'est-à-dire à partir de la géométrie jusqu'à la poésie pure, et à partir de l'érudition philologique jusqu'à la grande musique. Je crois que la créativité, c'est là, je ne peux pas dire absolument renouvelée, mais radicalement renouvelée. On se considère à la fin de l'époque, peut-être on est à la fin de l'époque culturelle, mais justement, à la suite des conséquences indirectes, presque qui passent inaperçues parfois, la découverte de ce que la découverte de l'homme religieux nous a aidé à comprendre dans la condition humaine et dans le sens de l'histoire humaine, cette découverte, les conséquences, une des conséquences sera que la créativité de l'esprit humain aura des ouvertures et des expressions, je crois, nouvelles. Bon, tout est nouveau, c'est bien. Mais des créations que personne ne soupçonne maintenant. On parle toujours de la fin de la philosophie, de la fin des mathématiques. J'attends, j'envie la nouvelle génération, ceux qui sont là, j'attends une époque de créativité culturelle absolument unique dans l'histoire récente des 3 siècles du monde occidental, c'est-à-dire de la planète, mais du monde occidental, parce que la crise est plus profonde ici qu'ailleurs. Oui, on peut appeler ça optimisme, je crois qu'il s'agit plutôt d'un réalisme. Je ne crois pas qu'une telle découverte de l'homme religieux peut rester sans conséquences à la fois existentielles et créatrices culturelles. La stérilité, l'ennui, l'idée de la décadence et de la fin, ces symptômes qui sont encore contemporains, mais qui étaient à la mode il y a 30 ou 40 ans, je crois qu'ils seront abolis par le simple fait que les ouvertures pour d'autres mondes spirituels, d'autres univers imaginaires
cette ouverture ne peut pas rester sans résultat, sans effet. Donc, on peut dire, je suis optimiste. Si Dieu n'existe pas, tout est cendre. Toute existence est prédestinée au passage. La mort est une seconde naissance, la suprême initiation. Il faut mourir pour renaître dans l'éternité.